Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur les bric-à-brac ASMR. Ce soir, je voulais vous refaire du coup une tier list que j'ai déjà fait du coup sur la chaîne. En tout cas, une tier list, le concept de tier list que j'ai déjà fait sur la chaîne. Et cette fois-ci, je voulais vous faire un petit peu découvrir ce concept avec un nouveau thème. Donc, Mario Kart. Donc nous allons classer en fait les Mario Kart, tous les Mario Kart hein, tout simplement. Voilà, il y en a déjà 8. Il y a aussi le 8 Deluxe, donc 9. Les Mario Kart Arcade, il y en a eu 3, donc ils sont 12. Et le Mario Kart Tour, donc 13 Mario Kart, 13 jeux Mario Kart sortis. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec du coup Mario Kart 64. Déjà, on va enlever la ligne Clear Row, dans Delete Row. Voilà, on va enlever une ligne comme ça au moins. Hop. Et là, on va mettre pas jouer de cette manière. Donc, on va commencer avec Mario Kart 64. Mario Kart 64, non, on va plutôt faire. Oui, si, Mario Kart 64. Mario Kart 64, déjà, c'est le deuxième Mario Kart. C'est celui, le premier Mario Kart avec des terrains en 3D. Et c'est celui qui a vraiment imposé c'est celui qui a vraiment mis un peu comment on appelle ça? C'est celui qui a mis en bouche du coup le jeu. Donc pour l'instant, je vais le mettre en B. Voilà, on va le mettre à peu près au milieu. Mario Kart 7, des excellents circuits, des très bons circuits avec un concept super qui était de pouvoir voler dans les airs. Moi j'ai bien aimé ce concept là, avec une 3D du coup. Il y a eu des nouveaux objets, il y a eu le Tanuki qui pouvait nous servir de bouclier en fait si on l'activait au bon moment, mais fallait l'activer. Il y avait aussi la fleur de feu comme nouveauté. Voilà, donc Mario Kart 7, il est très bien. Il a des circuits remake très bons d'ailleurs aussi, qui reprennent bien les ouais. Et le mode online, je l'ai beaucoup joué du coup dessus. Il y a aussi un mode bataille avec 6 circuits qui sont plutôt pas mal aussi. Ouais, les circuits sont bien. On peut ouvrir aller aussi sous l'eau. Donc pour l'instant, je vais le mettre en A. Voilà. Je vais le mettre en A. Mario Kart 8, on va voir ça plus tard. Ensuite, alors Mario Kart Arcade. Les Mario Kart Arcade, j'y ai déjà joué en fait. J'ai déjà joué au 2 et au DX. Mais malheureusement, alors le 2 et le DX, du coup, je vais le mettre dans D. Tout. Pour la simple et bonne raison que ce sont des jeux arcade et c'est très lent. C'est pas la même façon de jouer que les jeux Mario Kart et je suis vraiment beaucoup moins fan, même si c'est très fun. Nous avons peu de temps pour sélectionner nos personnages, on a pas assez de temps pour profiter. Voilà, ça va très vite. Donc le Mario Kart Arcade 2 et Arcade DX, je les mets dans D. Et le premier Mario Kart Arcade, je n'y ai tout simplement pas joué. Voilà. Mario Kart Double Dash, ah Mario Kart Double Dash, les circuits sont vraiment géniaux. D'ailleurs, il y a un lien entre tous les circuits sont connectés les uns avec les autres. Mario Kart Double Dash, on peut jouer à deux, il y a une mécanique très intéressante. Les dérapages sont par contre horribles, je trouve. Le gameplay en fait, il faut vraiment s'adapter. Voilà, les cartes sont des savonnettes. Donc ce que je peux faire, c'est ah oui, aussi on peut pas jouer avec des bots en mode versus, c'est uniquement en mode Grand Prix. Et on peut pas jouer aussi en mode bataille en mode avec des bots. Donc ça, c'est un inconvénient, je trouve. Je vais quand même le mettre à côté de Mario Kart 64 pour l'instant. Voilà, ce n'est pas mon préféré de Mario Kart, mais il est vraiment excellent. Mario Kart 64, on peut même, en fait, c'est un peu pareil que Mario Kart Double Dash, mais en plus rétro.
c'est les dérapages qui me gênent beaucoup. On va le mettre en dessous de double tâche. Voilà. Mario Kart DS. Non, on va d'abord faire Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit. Eh bien. Il possède des terrains en 2D de la même manière que le premier Mario Kart. Mario Kart Super Circuit est un excellent jeu, je trouve. Mario Kart, c'est le premier de console portable. C'est aussi celui qui reprend tous les circuits du premier Mario Kart. Il a des très bons terrains, voilà. La manière de conduire est aussi très savonneuse, hein. On dérape très facilement, on se plante très facilement, mais il faut prendre le coup de main. Pour moi, il est au même niveau que Mario Kart 64. De toute façon, c'est le troisième Mario Kart sorti juste après celui-là. Voilà, avec des très bonnes musiques d'ailleurs. Ah oui, les musiques, pas après, tous les Mario Kart ont de bonnes musiques. Je crois qu'il y a eu aussi un mode bataille, hein, il me semble. On peut klaxonner dans le jeu, ça c'est marrant. Comme dans Mario Kart Double Dash. Avec le petit bouton Select. Et puis, voilà, c'est un Mario Kart sur console portable. Le premier. Donc, on va pas le mettre très bas. On va le mettre au même niveau que. Au même niveau que Mario Kart 64. Voilà. Super Mario Kart, bon, c'est le premier, évidemment. C'est celui qui pose un peu les règles. Je vais quand même le mettre dans D. Voilà. Mais un peu au-dessus des Mario Kart arcade. J'ai pas grand-chose de spécial à dire, hein. Voilà, c'est les débuts de Mario Kart, donc c'est quelque chose. On va même, hop, augmenter en fait chacun au-dessus. Voilà. Mario Kart Tour. Il possède des circuits inédits qui sont bien. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Et le fait que ce soit déjà un jeu mobile, un jeu qui ne demande pas forcément de skill, un jeu très très casu, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé avoir Mario Kart 9 à la place sur Nintendo Switch. Donc Mario Kart Tour, moi je le place en D. Le multijoueur est apparu très longtemps après. Il y a même des fonctions payantes. Enfin bref, c'est pas spécialement un bon Mario Kart, même si j'y ai beaucoup joué. Pour moi, ce jeu va être très vite oublié. Ah, Mario Kart DS, Mario Kart DS, Mario Kart DS. Mon tout premier jeu vidéo m'appartenant. C'est mon tout premier jeu vidéo, Mario Kart DS. Et Mario Kart DS, eh bien, des terrains en 3D. Tout ce qu'on aime dans Mario Kart, on le retrouve là-dessus. Il y a les dérapages, le contrôle et tout qui se fait, qui est un peu plus simple, mais en même temps technique. Donc, pour prendre les raccourcis au maximum et tout, enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce Mario Kart. Je vais le placer à côté de Double Dash, même à côté de Mario Kart 7. Pour moi, c'est un des meilleurs. Mario Kart Wii, ah, il est excellent, il est excellent. Mario Kart Wii, des très très bons niveaux. Des très bons circuits. Avec un super mode bataille. Vraiment super mode bataille. Des bons terrains. Il y a eu le mode multijoueur, hein, à 4 sur l'écran. Qui était excellent. Le jeu aujourd'hui, il faut s'y remettre un petit peu, hein, pour y rejouer parce que c'est vachement différent quand même des contrôles de Mario Kart 8. Donc voilà, je vais le placer. Allez, on va le passer celui-là ici, ici, ici. Et je vais le placer au même niveau que Mario Kart DS et Mario Kart 7. Voilà. Et puis pour finir, Mario Kart 8. Mario Kart 8 qui est juste excellent. Voilà, super course. Un super contrôle. Enfin, la façon de piloter est vraiment géniale. Avec des bonnes courses rétro, des graphismes géniaux. Hein. Voilà, c'était la Wii U, c'était le début de l'HD sur chez Nintendo. Et vraiment, ce jeu ne prend pas une ride, puisque en plus de ça, il a été refait en beaucoup mieux sur Switch avec Mario Kart 8 Deluxe. Voilà, donc on va le mettre au-dessus.
sur des circuits. Et ça, c'était vraiment dommage. Voilà, c'était ma petite tier list. J'ai pas spécialement grand chose à rajouter. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine tier list de jeux vidéo, hein, par exemple. Ça peut être aussi autre chose. Dites-moi en commentaire vos idées. Et dans quel ordre placez-vous, du coup, ces jeux? Voilà. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo ASMR sur la chaîne du bric-à-brac.